Deuxième année, exercice C1D, puissance de nombre entier. Premier exercice, écris les exposants manquants. Je vous dis 24 exposants 9 est le produit de 24 exposants 7 par 24 exposants quoi? Eh bien, si je traduis ici ma phrase, j'ai en fait 24 exposants 7 fois 24 exposants quoi qui doit donner 24 exposants 9. On va donc appliquer la propriété du produit de puissance de même base, c'est-à-dire qu'il faut conserver ma base et additionner mes exposants. Donc on va se dire 7 plus quoi va donner 9. Eh bien, ma réponse est donc 2, puisque ainsi 7 plus 2 donnera bien 9. Ensuite, le double de 2 exposant 6 est 2 exposant quelque chose. Si je vous dis eh bien, que j'ai le double de votre âge, eh bien, pour pouvoir trouver mon âge, on va prendre votre âge, ici 2 exposant 6, que je vais donc multiplier par 2, puisque c'est le double. Ainsi, j'ai donc 2 fois 2 exposant 6. Attention ici, au-dessus du 2, on va se dire qu'il y a un petit 1. On ne le note pas, mais c'est sous-entendu. Et donc, on va encore une fois appliquer la propriété d'un produit de puissance de même base. On conserve la base, donc le 2, et on va additionner les exposants. Donc, 1 plus 6, ça donnera donc 7. Ensuite, lors d'une interrogation, Lina s'est trompée et a écrit que 2b le tout au cube est égal à 2b au cube. Écris la réponse correcte. Donc, Lina s'est trompée. Pourquoi? Bien parce qu'en fait, le cube doit porter sur tous les facteurs qui sont dans la parenthèse. Donc, ça doit porter à la fois sur le facteur 2 et sur le facteur b. Autrement dit, 2 au cube, eh bien, ça donnera 8. Et b au cube, bah, b au cube. On doit justifier par une propriété, une règle ou une formule. Petite astuce, pour les C1D, quand on vous dit de justifier par une propriété, une règle ou une formule, eh bien, la justification la plus simple, eh bien, c'est la formule, parce que là, vous ne risquez pas de vous tromper avec des mots, etc. Et donc, la formule, ben, c'est quoi? Ben, c'est puissance d'un produit, tout simplement. Donc, A fois B, le tout à la puissance M, donne donc A exposant M et B exposant M. Ensuite, justifie cette égalité par une propriété, une règle ou une formule. On a encore la possibilité de justifier par une formule, donc on ne va pas... se compliquer la vie et donc on va utiliser la formule. J'ai ici x au cube fois x exposant 5 qui est égal à x exposant 8. Eh bien, j'ai donc à faire ici un produit de puissance de même base. On constate qu'ici mes deux bases eh bien, sont des x, donc il suffit de conserver la base et d'additionner mes exposants. 4 exposant 20 est le carré de 4 exposant 10. Justifie par une propriété ou par une formule. On va choisir la justification avec la formule. Ici, on doit donc prendre 4 exposant 10, le tout exposant 2, puisque c'est au carré. Et donc, on arrive avec la propriété suivante, c'est-à-dire puissance d'une puissance. On conserve la base et on multiplie les exposants. Exercice suivant, on vous demande de compléter le tableau suivant. On va donc ici avoir l'écriture décimale, la notation scientifique. On a trois exercices. Alors ici, je vous donne la notation scientifique et vous devez retrouver l'écriture décimale de la taille d'un virus. Alors, l'idée, eh bien, c'est d'écrire le 25. On sait que ma virgule, elle est de base entre le 2 et le 5. Et je vais donc décaler ma virgule, eh bien, de 8 rangs vers la gauche, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, ici, c'est dans l'autre sens. Je vous donne l'écriture décimale et vous devez retrouver la notation scientifique. Attention, la notation scientifique consiste donc à un produit de deux facteurs. Le premier facteur est toujours un nombre compris entre 1 et 10, un nombre compris, le 10 évidemment. Et le deuxième facteur est une puissance de 10, soit à exposant positif, soit à exposant négatif. Ainsi, eh bien, je vais chercher le nombre qui est compris entre 1 et 10, mon prix, c'est donc 2,08, que je vais multiplier par quoi? Eh bien, ma virgule de base, elle est là, et je dois l'amener à 1, 2, 3, 4, 5 rangs. Donc, 10 exposant moins 5. Pourquoi? Parce que ce nombre-ci est beaucoup
plus grand que celui-là, donc je dois multiplier par une puissance de 10 à exposant négatif. Ici, c'est dans l'autre sens, je vous donne la notation scientifique, vous devez retrouver l'écriture décimale. Ici, on doit décaler ma virgule et bien de 7 rangs, je la décale donc de 7 rangs. Ça va donc donner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je dois donc ajouter 3 zéros. On a ici exactement le même principe, le même genre d'exercice. Donc, on donne l'écriture scientifique. Vous devez retrouver l'écriture décimale. 3,81 fois 10 exposant 2. Il suffit de décaler la virgule 2 de rang, donc 381. Dans l'autre sens, je vous donne l'écriture décimale. Vous devez retrouver la notation scientifique. Il faut donc chercher le nombre compris entre 1 et 10 non pris. C'est donc 3 dans ce cas-ci. Et je me dis 3 fois quoi va donner tout ce nombre-ci? Eh bien, je décale ma virgule ici de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, 3 fois 10 exposant 8. Ensuite, j'ai l'écriture décimale. Vous devez retrouver la notation scientifique. Le nombre compris entre 1 et 10 non pris, c'est donc 1,36. Ma virgule de base est ici, je dois la placer entre le 1 et le 3, je la décale donc de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rangs. Ce nombre-ci est plus grand que celui-là, donc on note un exposant qui sera négatif. Toujours des exercices avec de la notation scientifique. Il faut donc convertir ce nombre-ci en notation scientifique, donc le nombre compris entre 1 et 10, c'est 3,125. Ma virgule de base, elle est ici. Je décale donc ma virgule de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc 10 exposant 11. Pourquoi? Parce que ce nombre-ci est plus petit cette fois que le nombre de départ. Alors, on transforme le nombre en notation scientifique. Donc le nombre compris entre 1 et 10, c'est donc 3,4. Ma virgule de base, elle est ici, je la décale de 1, 2, 3 rangs, donc 10 exposant 3. Mais attention ici, comme ce nombre-ci eh bien, est plus grand que celui-là, ça doit être un exposant négatif, donc c'est 10 exposant moins 3. Ici, exercice dans l'autre sens, je vous donne la notation scientifique, vous devez retrouver le nombre. Ici, 4,72 fois 10 exposant 5, on va donc décaler ma virgule de 5 rangs, donc 1, 2, 3, 4, 5, et je dois donc ajouter 3 zéros. On continue ici. On transforme en notation scientifique. Le nombre compris entre 1 et 10 non pris, c'est 8,9. Ma virgule de base, elle est là. Je la décale de 1, 2, 3, 4, 5 rangs. Donc 10 exposant 5. Mais comme ce nombre-ci est plus grand que celui-là, 10 exposant moins 5. Exercice dans l'autre sens. 7,35 fois 10 exposant 4. On doit donc décaler ma virgule de 4 rangs. Donc 1, 2, 3, 4. Et donc, je dois ajouter 2 zéros. Coche dans chaque cas la proposition correcte. Ici, la notation scientifique de ce nombre-ci sera donc 7,5 fois 10 exposant moins 3. En effet, le nombre compris entre 1 et 10, c'est 7,5. Je décale ma virgule de 1, 2, 3 rangs. Ce nombre-ci est plus grand que celui-là, donc exposant négatif. Ici, je dois transformer ce nombre-ci en notation scientifique. Donc, le nombre compris entre 1 et 10, c'est 1,243 fois 10 exposant quoi? Fois 10 exposant 6. Pourquoi? Parce que je vais décaler ma virgule de 6 rangs. Alors ici, écris les nombres suivants en notation scientifique. Le nombre compris entre 1 et 10, c'est donc 2,5. Ma virgule de base, elle est là. Je la décale donc de 8 rangs pour qu'elle arrive entre le 2 et le 5. Donc 10 exposant 8. Pourquoi? Parce que ce nombre-ci est plus petit que celui-là, donc je dois multiplier par une puissance de 10 qui est plus grande. Ici, le nombre compris entre 1 et 10, c'est 5. 5 fois 10 exposant quoi? Eh bien, fois 10 exposant moins 5. Pourquoi? Parce que je décale ma virgule eh bien, de 5 rangs et que ce nombre-ci est plus grand que celui-là. 137 fois 10 exposant 2, je dois le transformer en notation scientifique. Ici, l'idée, c'est de d'abord calculer tout ça. Alors, faire fois 10 exposant 2, bah, c'est ajouter tout simplement 2 zéros. Et puis après, je transforme en notation scientifique. Et donc, c'est 1,37 fois 10 exposant 4. Pourquoi? Parce que je décale ma virgule de 4 rangs, tout simplement. Dernier exercice sur la notation scientifique. Petit problème. Les réserves d'un gisement de gaz sont de
ta 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 mètre cube, l'exploitation annuelle de ce gisement est de ta 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 mètre cube, et écrit ces nombres en notation scientifique. Donc, il suffit de convertir déjà ces deux nombres en notation scientifique. Voilà les écritures scientifiques, je pense que là vous avez compris. Et puis, on vous demande de calculer le nombre d'années pendant lesquelles on pourra exploiter eh bien, ce gisement au même rythme. Donc, vous avez ici une réserve et là c'est l'exploitation annuelle. Donc, pour pouvoir trouver eh bien, le nombre d'années que l'on va pouvoir... que l'on va pouvoir avoir une réserve via de gaz, il suffit d'effectuer le rapport entre ma réserve et mon exploitation annuelle. Donc ici, on va faire 8,4 fois 10 exposant 12 divisé par 2 fois 10 exposant 11. On divise 8,4 par 2, ça fait 4,2. Et 10 exposant 12 divisé par 10 exposant 11, ben en fait, il reste juste un 10. Donc 4,2 fois 10, eh bien 42, 42 quoi, 42 années. Alors ici, on continue. Calcule et écrit la réponse sans exposant. 10 exposant 2 fois 10 exposant 1 fois 10 exposant moins 2 donnera quoi? Eh bien, 10 exposant 1. Pourquoi? Parce qu'on additionne les exposants. 2 plus 1, ça fait 3. Moins 2, bah 1. Et 10 exposant 1, ça fait 10. Ici, 5 fois 10 au carré plus 4 fois 10 au cube. On n'oublie pas de faire les blocs, c'est-à-dire que j'avance jusqu'à ce que je rencontre un plus ou un moins. Donc voilà mes deux blocs. 5 fois 10 au carré, eh bien, ça fait 500. Et 4 fois 10 au cube, ça fait 4. Pardon, 4 fois 10 au cube, ça fait donc 4000. Et 500 plus 4000, 4500. Alors, ici, on vous demande de compléter. 10 500 fois 10 au carré est égal à 105 fois 10 exposant quoi? Eh bien, tout ceci donne 10 500 000. Ici, la consigne est la suivante. Vous devez compléter. On a 10 500 fois 10 au carré qui est égal à 105 fois 10 exposant quoi? Eh bien, tout ceci, eh bien, il suffit de prendre 10 500 fois 10 au carré. Donc, je vais ajouter tout simplement 2 zéros. Et donc, je constate ici que j'ai 105 plus combien de zéros? Eh bien, 4, donc 10 exposant 4. On vous dit le centième de 10 exposant 8 et 10 exposant quoi? Le centième, eh bien, en fait, c'est 0,01. Et donc, on va diminuer ici mon exposant de 2, donc 10 exposant 6. Ici, on vous dit coche les deux calculs qui peuvent remplacer le produit de 45 par 3 au cube. Eh bien, on peut constater que c'est la même chose que 5 fois 3 exposant 5. Et c'est également la même chose que 40 fois 3 au cube plus 5 fois 3 au cube. Ici, on vous demande de calculer des puissances. Moins 1 exposant 6, eh bien, ça fait 1. Pourquoi pas moins 1? Eh bien, parce que l'exposant est pair et ma base est négative. Donc, ma réponse deviendra positive. Moins 4 au cube, l'exposant est donc impair, ma réponse restera négative, et 4 au cube, c'est 64. Après, moins 2 exposant 4, attention ici, il n'y a pas de parenthèse, donc ça reste négatif, et 2 exposant 4, eh bien ça fait 16. On vous demande ici de calculer en écrivant toutes les étapes, et eh bien on respecte les priorités des opérations, donc PEMDAS ou pas PEMDAS, peu importe, les deux fonctionnent. 7 au carré, 49. 1 au cube, eh bien, ça fait 1. 49 moins 1, 48. Ici, on respecte encore les priorités des opérations. Donc, moins 2 au cube, ça fait moins 8. Et moins 3 au carré, ça fait 9. Attention, l'exposant est pair, n'est-ce pas? Donc, moins 8 fois 9, moins 72. Ici, on doit encore une fois respecter les priorités des opérations. Donc, pas PEMDAS ou PEMDAS, on calcule. Ici, on va d'abord calculer donc le 2 au cube, c'est-à-dire 8. Après, on va calculer 5 fois 8, donc 56 moins 40. Et 56 moins 40, ça fait 16. Après, on a 7 fois, entre parenthèses, 5 moins 8 au carré plus 5. On respecte les priorités. On calcule d'abord ce qu'il y a dans la parenthèse. 5 moins 8, ça fait moins 3. Et puis 7 fois moins 3 au carré plus 5. Moins 3 au carré, on le calcule, ça fait 9. Ensuite, on doit calculer 7 fois 9. 7 fois 9, ça fait 63. Et donc, 63 plus 5, 68. Ici, attention, on a à la fois un produit
et un quotient. Donc, on doit respecter l'ordre du calcul. Donc, on fait d'abord 24 divisé par 3, ça fait 8. Et puis, fois 2, 16. Ensuite, moins 3 au cube, moins, entre parenthèses, moins 2 exposant 4. Moins 3 au cube, ça fait moins 27. Et ici, moins 2 exposant 4, ça va donc devenir positif, ça va faire 16. Mais comme il y a un moins là-bas, bah, ça reste moins 16. Donc, ça devient moins 16 plutôt. On a moins 27, moins 16, ça fait donc moins 43. Ensuite, ici, 24 divisé par 2 fois 3 moins 1. On calcule d'abord 3 moins 1, ce qui fait donc 2. On suit l'ordre du calcul parce qu'on a un divisé et un fois et il n'y a pas une opération qui est plus importante que l'autre. Donc, 24 divisé par 2, ça fait 12 fois 2, 24. Ensuite, 36 moins 6 fois 2 au cube. On calcule donc d'abord la puissance, donc l'exposant. 2 au cube, ça fait 8. On a donc 36 moins 6 fois 8. 6 fois 8, ça fait 48. Donc 36 moins 48, moins 12. Ici, 40 moins 5 fois 2 au carré, on va d'abord calculer l'exposant. Donc 2 au carré, ça fait 4. Ensuite, on calcule le produit. 5 fois 4, ça fait 20. Donc 40 moins 20, 20. Ici, 8 fois, entre parenthèses, 3 moins 5 au cube plus 4. On calcule d'abord l'intérieur de la parenthèse, donc ça fait moins 2. Ensuite, on va calculer donc ma puissance. Moins 2 au cube, bah, ça fait moins 8. Ensuite, on va calculer le produit. 8 fois moins 8, ça va faire moins 64. Et moins 64 plus 4, moins 60. Moins 3 au cube, moins moins 2 au carré, bah, c'est un exercice qui ressemble fortement à celui-là. Moins 3 au cube, c'est moins 27. Moins 2 au carré, c'est 4, mais il y a le moins qui est là-bas, donc c'est moins 4. Moins 27, moins 4, moins 31. 40 plus 3 fois 5 au carré. On calcule d'abord 5 au carré, ça fait 25. Ensuite, on calcule 3 fois 25, ça fait 75. 40 plus 75, ça fait 115. Ici, 40 divisé par 3 fois 2, 24 divisé par 3 d'abord, ça fait 8, et 8 fois 2, 16. Ensuite, 2 moins 5 au cube plus 1, on fait d'abord 2 moins 5, ça fait donc moins 3. Moins 3 au cube, ça fait moins 27, et plus 1, ça fait moins 26. Je continue, moins 3 au carré fois moins 2 au cube, moins 3 au carré, ça fait 9. Moins 2 au cube, ça fait moins 8, 9 fois moins 8, moins 72. Ici, 3 fois moins 4 au carré fois moins 1 plus 6. Moins 1 plus 6, ça fait 5. 3 fois moins 4 au carré fois 5, 4 au carré, 16. 16 fois 5, 80. 3 moins 80, moins 77. Moins 3 plus 4 fois moins 7. On va d'abord calculer 4 fois moins 27, ce qui fait moins 28. Et puis, moins 3 moins 28, ça fait moins 31. 8 plus 2 moins 4 au carré fois 3, on calcule d'abord l'intérieur de la parenthèse, 2 moins 4 ça fait donc moins 2, ensuite on va calculer la puissance, moins 2 au carré ça fait 4 parce que l'exposant est pair, ensuite on va calculer donc le produit, 4 fois 3 ça fait 12 et 8 plus 12 ça fait 20. Écrit l'exposant sur les pointillés, on a 3 au carré de tout au cube, puissance d'une puissance, on doit donc conserver la base, multiplier les exposants, donc 6. 3 exposants, 4 fois 3 au carré, eh bien, c'est un produit de puissance de même base. On conserve la base et on additionne les exposants, donc 4 plus 2, 6. 5 au carré fois 3 au carré, c'est une autre propriété qui dit que lorsqu'on a les mêmes exposants, bien là, on multiplie même base et on conserve l'exposant. Donc, on va faire 5 fois 3, ce qui fait 15. Et donc, on conserve le 2. 4 exposants 6 sur 4 exposants 3. Eh bien, là, il reste juste 4 exposants 3. Pourquoi ? Ben parce qu'en fait, on soustrait les exposants. C'est quotient de puissance de même base. Ici, calcul si A est égal à moins 4. Donc là, c'est un exercice de valeur numérique, donc on va remplacer le A par moins 4, j'ai donc le moins qui est ici que je dois recopier, le A sa valeur c'est moins 4, je le mets entre parenthèses, pourquoi ? Parce que le 2, enfin, l'exposant 2 porte sur tout le A, et donc après je vais calculer moins 4 au carré, moins 4 au carré ça va donc donner 16, et je n'oublie pas de recopier le moins qui était devant ma parenthèse depuis le départ.
Ensuite, moins a au cube, je recopie ma parenthèse, je recopie ce moins-ci. Et je sais que le a vaut moins 4, donc je le recopie également entre parenthèses. Et puis, je ferme la parenthèse au cube. Ici, j'ai deux signes successifs, donc je peux, enfin, non pas je peux, je dois les neutraliser. Donc au final, ça fait plus, donc 4 au cube, et 4 au cube, 64. Attention, ici, vous ne pouviez pas faire moins moins, oh, ça fait plus. Non, pourquoi? Parce que ici, j'ai l'exposant qui porte sur le moins 4, donc je ne peux pas faire ce que je veux. Là, c'est pas pareil. Les deux signes sont à l'intérieur de ma parenthèse. Ici, si a est un nombre entier, complète le tableau ci-dessous. On vous demande ici, donc soit de trouver le langage usuel, donc en gros en français, ou le langage mathématique. Je vous dis le triple de a augmenté de 5. Eh bien, le triple de a, c'est tout simplement 3a. Pourquoi? Parce qu'entre le 3 et le a, il y a un fois. Augmenter, ben ça veut dire plus 5. Ici, c'est dans l'autre sens. Je vous donne entre parenthèses a plus 4 le tout au carré. Eh bien, ma phrase commencera donc par mon opération que j'effectuerai en dernier, c'est-à-dire le carré. Donc, le carré de quoi? Eh bien, de la somme de a et de 4. Ensuite, ici, je vous donne le langage usuel. Vous devez retrouver le langage mathématique. L'opposé du carré de a, eh bien donc le carré de a c'est qui? C'est a au carré et l'opposé c'est donc moins a au carré. Alors ici on nous parle d'éoliennes. On nous donne donc l'énergie électrique en une année de chaque éolienne. On nous demande de calculer l'énergie moyenne de ces trois éoliennes. Il suffit donc d'additionner eh bien les trois valeurs que l'on nous donne et de diviser par 3 pour avoir la moyenne. On obtient donc son nombre ci, et on nous demande d'écrire eh bien, le nombre en notation scientifique, donc le nombre compris entre 1 et 10 non pris, eh bien c'est 2,379, que l'on va multiplier par 10 exposant 6, pourquoi? Ben parce que ma virgule, je l'ai décalée eh bien, de 6 rangs, et donc c'est un exposant positif, pourquoi? Parce que ce nombre ci est plus petit que celui-là. Voilà pour les puissances.